parce que... Pourquoi, alors que j'habitais à Vence, je suis venue habiter à Fort-Calquier? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est de la magie. L'année dernière, j'ai raconté, pas à vous, mais je vous la raconterai un jour, de la magie rose dans ma vie. Et là, c'est de la magie bleue. Et j'ai écrit ça pour mon fils. Allez-vous huer la sorcière, si de magie il est question? Charme rose la fois dernière, ciel ma nouvelle évocation. Quand j'atteignis l'adolescence, je fus prise d'admiration pour le fleuron de la Provence, Fort-Calquier. Imagination. Ce devint pour moi comme un rêve. Je lui prêtais plus d'un atout. La beauté, le soleil s'entraîne. Passé 20 ans, j'oubliais tout. J'avais entre-temps mis au monde, remplissant tout mon univers, un enfant. Plus de vagabonde ou folâtre idée à l'envers. Or, les ans succédant aux ans, ne me berçant plus de fantasmes, viennent de passer 60 ans. Là, dans un subit enthousiasme, mon fils unique, en un transport fou, tombe en extase devant un site et son trésor, et nous entraîne sur Pégase. Quand je portais son embryon, qu'il se nourrissait de mes veines, lui insufflais-je ma passion pour la cité des quatre reines. Maintenant, il blottit son toit, protégé par la citadelle, et de son parc on aperçoit de Saint-Pancras la chapelle. Sans nul doute, un amour inné le fit s'ancrer dans cette terre, car la ville de Fort-Calquier s'infiltrait au sein de sa mère.